73 à tous, on se retrouve donc pour un test de trois antennes de petite taille. Donc on va prendre un mètre pour mesurer éventuellement. Donc je vais vous dire ça tout de suite. On va les mesurer, donc, trois antennes. Alors on va commencer par l'antenne Nagoya. Je vais essayer de la sortir du paquet. Voilà. Donc c'est parti. Alors c'est la Nagoya NA805. Je vous montre Nagoya NA805. Voilà. Qui est une antenne donc SMA femelle. Normalement 3 bandes, 144, 430 et 1200. Donc voilà. Et on va tester, donc on va mesurer tout de suite cette antenne. On va faire le test de TOS. Alors, le mètre. Alors, en centimètres exact. À peu près 3 cm, un peu plus de 3 cm et demi, on va dire la totale c'est 4 cm. Hein. Je vous montre. Donc total 4 cm. Voilà. Je vous montre. Donc total 4 cm. Voilà. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite. Donc on va tester bien sûr en UHF ce que ça donne. Alors on va tester sur le canal 3. et quelques, vous voyez, du TOS pas mal. Après la puissance, je pense qu'il y a un peu de puissance derrière. À 8 et quelques watts. Ouais, c'est pas vraiment génial. On va tester le TOS 2.9. Ouais, 2.9. Voilà, c'est pas vraiment génial. Donc cette Nagoya, donc on va passer sur une antenne à peu près similaire, un peu plus grande. Donc de la marque Diamond. Donc c'est la Diamond SRH, je vous la montre. Diamond SRH, on a du mal à voir. SRH 805S. Qui est aussi, on va dire, 3 bandes. Hein, pareil, 144, 430, 1200. Donc c'est parti. Donc on va la mesurer. On fait pareil. On la mesure. Longueur totale, 5 cm, un peu plus de 5 cm, hein, 5 cm 2 à peu près. 5 cm 2, hein, voilà. Allez, on la met dessus, on va voir ce que ça donne sur le canal 3. On va regarder ça tout de suite. Bon, après c'est pareil. Donc c'est sensiblement identique. Voilà, c'est sensiblement identique. Voilà. Et la puissance, on est... 8 watts et quelques, évidemment. Alors, on peut descendre la puissance. Oui. On descend la puissance. Et on va tester le... Il a un peu moins de TOS. Mais c'est mieux de tester en grande puissance. Voilà. Donc 2.9. Voilà, donc ces antennes-là, je vous mettrai éventuellement les liens dans la description et le prix. C'est des antennes assez chères. Et on va tester une autre antenne. Donc... qui est que monobande, qui est monobande. Je vais essayer de vous la montrer. Donc voilà, je vous montre l'antenne si on a du. Voilà, je vous montre cette antenne monobande. Voilà. Donc alors on va la mesurer aussi. Donc c'est une antenne qui vaut vraiment pas cher. 5 cm total. 5 cm en total. Donc on va la tester. On fait pareil que pour les autres. Je crois que c'est moins d'un euro, cette antenne. Allez, c'est parti. Donc, alors on est en SWR. Attendez, il bouge un peu mieux. Donc, il me donne un peu plus de SWR avec cette antenne. Ouais, un peu plus. En puissance, 8 watts et quelques. En petite puissance, on va essayer en petite. Power low. 2,7 en petit, avec 2,6 avec 4,4 watts. Voilà. Et en grande, par contre, elle supporte mal. Voilà. Là, à 2,9, 2,8. On est en grande puissance. Normalement, on vérifie tout de suite. Ouais, 8,6 watts. Donc, le TOS 2,8 actuellement. Donc, voilà pour les petites infos. Donc pour vous faire une petite idée, vous avez trois antennes sensiblement identiques.
Soi-disant, monomande cette antenne, mais globalement, les autres, si on faisait un test en VHF, on va le faire tout de suite pour. Allez, c'est parti, on commence par l'antenne qui est que UHF. C'est parti. 19, je suis en train de les mettre. Ouais. 19, la puissance. Voilà, 2,3 watts. Donc évidemment, c'est pas bon, hein. Je vous mettrai bien sûr la référence de cette antenne qui est vraiment pas chère et globalement je vous la conseille parce que pour le prix ça sert à rien d'investir dans des antennes comme cette Diamond SRH 805S. À mon goût c'est voilà, c'est l'investissement n'en vaut pas le coup si vous voulez une petite antenne éventuellement. Alors on est 144, hein, je vais préciser. Donc c'est parti. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va passer à SWR. 19. À 144, je vous montre. 19. La puissance. Voilà. On est 144. Alors, on va essayer 140. 146. Voilà, on va retester le SWR. Donc 19, hein, c'est pareil. Je ne sais pas du tout sur quelle fréquence elle fonctionne, mais en tout cas sur la bande amateur, c'est pas la peine d'essayer. Hein. Soi-disant bi-bande, faites une croix dessus. Hein. Les résultats ne seront pas, seront certainement pas là. En tout cas, je ne sais pas si c'est l'original ou la copie, mais en tout cas, c'est pas bon. Alors, on va repasser sur la Nagoya, qui est normalement aussi un peu plus petite, mais qui est bi-bande, voire tri-bande en fait. Hein. Quand je dis bi-bande, c'est tri-bande. Vive les antennes tribandes. Allez, c'est parti. Je pense que sur le 23 cm, ça serait mieux sur le 1 giga 2. Allez, c'est parti. Ah, le résultat, on est 146 actuellement. On était à 146. Je vous montre le SWR. C'est parti. SWR de la Nagoya. 19. Zéro. 144, 2, voilà, c'est même pas la peine, il y a rien de VHF là-dedans. C'est du foutage de gueule. Honnêtement, c'est de la merde en VHF. Donc en UHF, c'est encore à peu près exploitable. Je vous remontre les trois antennes. Donc la Nagoya. Donc la Nagoya NA805, triband, soi-disant. La Diamond. Donc pas SRH 805 tribande soi-disant, celle-là monobande, c'est sûr qu'elle est monobande. Voilà, je vous mettrai les liens dans la description de ces antennes. Je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à très bientôt éventuellement. N'hésitez pas à liker, si vous voulez que je continue à faire d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas. Mettez un pouce, c'est toujours sympathique et ça m'aide à me référencer sur YouTube. À très bientôt.